des peuples africains a fait sa grande rentrée ce week-end. Et tout comme on l'aurait fait dans une classe normale, le président Laurent Gbagbo a fait l'appel. Les chefs traditionnels de Blokos saluent d'abord le Saï Premier, le Cour Vincent, le grand frère Apete Kwasi, Madame Danielle Bonny, le professeur Pierre Sané, Succès Masra, Jean-Pierre Lecoq, le ministre Akengbo. Et tout de suite après, pas le temps, on a posé les vraies problématiques, les vraies questions quoi. Mais les gens sont allés en prison à cause de moi. Moi je suis au dehors. Eux ils font quoi dedans? On a aussi pris quelques cours de droit. Cas pratique à l'appui, s'il vous plaît. On a amené un témoin de l'accusation, une dame. Elle dit « j'ai été violée ». Alors, le président du tribunal lui a demandé « vous avez été violée par cet homme-là ? » Elle dit « non, lui, je ne le connais même pas ». Mais c'était des choses comme ça. La cause était entendue parce qu'en droit, on cherche celui qui a posé l'acte délictueux. L'occasion pour M. le Président de clarifier certaines choses à propos de son futur dans la politique. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le défaire. Pourquoi? C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique. On a aussi découvert ce que fait le président à ses heures perdues. Comme je suis maintenant au chômage, je regarde souvent la télévision. Depuis d'ailleurs Bruxelles, j'ai regardé souvent la télévision. C'est là que j'ai connu tous les jeunes chanteurs là. Yodé et Siro, eux, je les connaissais avant. Mais il y en a un qui est parti et ça m'a fait mal. Askeli. Petite pause musicale à présent avant de continuer. Un jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata, pata, pata. Et saviez-vous qu'il ne suffisait pas d'avoir le cacao pour être heureux? On a du cacao, cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. Et on se promène partout, et moi aussi. San Pedro est le premier port cacaoyer du monde. Mais et puis après... Et maintenant, la minute film d'horreur. Les gens, on leur a mis dans la tête que les oreilles pouvaient être plus grandes que la tête. Mais c'est comme ça que nous sommes créés. Les oreilles n'arrivent jamais à être plus grandes que la tête. Sinon, tu es un monstre. Enfin, un petit mot sur le PPA et ses ambitions. C'est une structure pour que demain, je puisse m'en aller tranquillement dans mon village sans regret. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci Gliss pour cette glissade à retrouver tous les jours dans la télé d'ici.